Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous continuons Fallout 3 dans la joie et la bonne humeur, toujours et davantage. Donc là, on doit essayer le répulsif, mais pas que. On va peut-être voir. Ici, c'est le répulsif. Je vais placer un marqueur. Et après, nous avons donc autre chose aussi à faire. Comme vous le savez très bien, on doit aller retrouver notre papa. À Galaxy News Radio. Alors je voudrais retrouver la carte. Donc, laissez. En fait, on aura deux choses à faire. On va aller au niveau des égouts. Comme ça, on sera tranquille dans un premier temps. Et après, on ira au niveau de Galaxy News Radio. Donc, encore une fois, on va devoir se balader à pied. On n'a pas d'autre chose à faire. On va pouvoir peut-être trouver des ennemis encore, hein, et toujours, je ne sais pas. Donc là, normalement, on s'est bien remis aussi dans Fallout. Donc ça va, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est mort. Ça va être meurt, le chien. Meurs le chien, j'ai dit. Voilà. On récupère. Ah oui, c'est vrai que nous étions empoisonnés par les radiations. Alors, les radiations, qu'est-ce que c'est? On est bon déjà, c'est bien ça. Normalement, ça devrait être cool. Ouais, c'est pour tout ce qui est armes lourdes et manu, c'est pas encore trop grave. Donc en gros, ça va être. Les radiations, on a. Ah ouais, quand même, l'endurance. Ouais. C'est pas forcément très cool, mais bon. Ah, je me trompe toujours de bouton, hein. Excusez-moi, mais. Je n'ai pas forcément l'habitude avec le PC de jouer un jeu comme Fallout. Ou un Elder Scroll. Bon, déjà là, ça se passe plutôt pas trop mal. Bon, il y avait vraiment Minfield qui nous avait posé un petit peu de soucis avec le monsieur Sniper qui a failli nous descendre d'ailleurs. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi maintenant les robots ils veulent m'attaquer? What the hell? Un robot de quoi? D'accord, faut juste accepter le fond de merde. En plus, ça c'est des solos. Warren. Allez. Voilà. Ça, c'est pas encore trop grave. Hein. Ouais, déjà, on a quelque chose d'intéressant. Oh là là. Petit freeze. Collecteur d'égouts. On a déjà un lieu. On se rapproche. D'ailleurs, on va remettre la carte. Bon, ça va, c'est pas... Bon, c'est loin, mais ça passe. Pas trop de problème. Hein. On peut voir. Ça peut aller assez vite. Si on fonce, on peut aller assez vite. Mais, faut faire quand même attention aux ennemis, s'il y en a. Parce que bon, un robot, ça passe encore, mais il y a vraiment des ennemis où j'ai pas envie de tomber dessus. Je ne me rappelle plus de leur nom. En tout cas, il y a quand même un beau petit bestiaire. Pas non plus 50 000 monstres, mais il y a des monstres intéressants. Oh, prudence. Prudence par rapport à quoi? C'est encore l'autre qui essaie de nous chercher pour nous tuer? On va pas tenter le diable parce que si c'est une bestiole que j'aime pas. Détecter. Ça veut dire que c'est une personne cool. Ça fait un peu haut. Là, on va pas tenter le diable. Allez hop, on continue. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas derrière? On va aller voir. Non.
Apparemment, rien. Non, il n'y a rien. Est-ce qu'on pourrait repasser par ici? Ah. Et regardez ça. V'là quelqu'un qui s'est perdu à Williams Wharf. Vous devez avoir des choses importantes à faire pour venir traîner par ici. Mais ça, ça me regarde pas le moins du monde. Mais si vous avez envie de faire du troc, il y a peut-être moyen de s'arranger. C'est toujours plaisant à entendre. Faites voir ce que vous avez. Ben, on va voir quelle heure aussi. C'est ça, justement. Vous voyez déjà que la chair coûte quand même son petit pognon. Oh punaise, ça c'est des ennemis, je pense, qui ressemblent à des sortes de loups-garous. Vous reviendrez ? Je crois pas que je vais revenir. C'est plutôt pour des conneries comme ça. On va prendre le pont. Ça va, les panneaux sont plutôt bien faits, ils sont pas trop dégueulasses. Pas mal. On va faire super d'expérience, quoi. Oh merde. Ces monstres, ils vont m'avoir. Je me suis fait avoir, je me suis fait surprendre. Non, ces choses vont m'avoir. Je ne peux pas. Il faut que je parte. Vous n'allez pas me laisser tomber comme les autres adultes. Vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que je... Ces choses énormes. Il y en a partout dans Greyditch. Et elles ont tué tout le monde. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon papa. Oui, ok, on va tâcher de le récupérer. Merci beaucoup. Enfin, ma maison est juste à côté du grand panneau et du vieux restaurant. S'il vous plaît, trouvez mon papa et ramenez-le. Eh bien, il y a l'abri personnel à côté du vieux restaurant. Va te cacher, mon petit. Papa disait toujours de ne pas y aller, mais... je crois qu'il ne devrait pas y avoir de danger. Je vais aller là-bas et attendre à l'intérieur. Dépêchez-vous de revenir. Ouais ben, toi, me resurprends pas et moi, il faut que j'évite de me reprendre une mine dans la gueule parce que là, ça fait un peu les dégâts. Hein. L'état... ouais, j'ai quand même pris bien cher. Comme d'hab. J'aime pas quand les mines sont assez collées là, comme ça aussi. Mais putain, pourtant, c'est pas normal. Ah, d'accord. Bon, bah c'est pas grave, on les a pas toutes récupérées, mais on en a récupéré certaines. Avec les dégâts aussi. D'accord, celle-là. Est-ce que c'est ici? Je vais regarder. Je ne crois pas, mais on va vérifier. On y est presque. On y est presque. Un ami plus un ami. What the hell? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Rat de scorpion et... Oh, d'accord. Réfléchissons. Ah ben là, tu m'as vu, normalement. Il doit descendre. On va regarder. On va éviter d'être trop près de ce rat de scorpion. Putain.
Mais attendez, il y a encore un autre truc là. Ah putain! Dude, c'est quoi de ces ennemis? Ils peuvent nous cracher des trucs. Wow, wow, wow. Non, là, justement. Cours, run. Au moins, je vais en avoir. Là, on va reprendre une petite batte. C'est pas mieux. Calmos. Laisse-la faire. Voilà. Alors, on récupère ça. Je vais quand même mettre le pistolet sur 4. Voilà. On va mettre la batte sur 2. Wow, wow, wow. Tout doux. Vous allez vous calmer. Il n'y avait pas un ennemi aussi dans le camp en plus? Non? Bon. On va juste au moins découvrir les endroits, ce sera déjà pas trop mal. Et là, ça passe. Ah. Je voulais sauter. Je suis fait avoir. Ouais, bon, ça c'est assez résistant quand même, donc faut se méfier. Et y'a quoi? Rat de cafard, rat de cafard. Bon, après le reste c'est que des rats de cafard. Ouais. Ça va être quand même assez embêtant, je vous dis. Oh. Meurs. Ah non, il était pas grand, donc ça va. Mais c'est quand même bien résistant. Hein. On se calmait. D'accord, ça va être le rat de cafard. Okay. Il y a encore des ennemis, mais. C'est aussi des rats de cap. C'est des rats de cap. Ok. Bon. On va être au niveau des échos. Donc, on va pouvoir utiliser notre bâton. Je sais pas si on a vraiment découvert le lieu du coup. Si. Si, on a découvert le lieu. Par contre, pour aller à Galaxy News Radio, je pense que c'est ça, non? Non, c'est pas. Tu sais ça en fait. Va falloir faire un sacré détour et essayer de ne pas mourir. On va faire au moins ça. Ok, tu donnes deux coups, il crève. Pas mal. J'aime bien ce repulsif. Je vous assure, je l'aime bien. Moi, ça me dérange absolument pas qu'elle vienne et qu'elle se fasse éclater la tête. Alors ici, si on peut prendre... À part la boîte de conserve, elle ne nous servira pas à grand chose. Mais je sais pas si c'est la boîte de conserve. Je vais quand même prendre. Si c'est ça, ben...
savoir où on va en avoir. Ça va être difficile. On retournera au niveau du centre commercial, pour en avoir, le de concert. Je peux, non. Ok, ça va être bien, désolé de Capitaine. Il y a un rider qui était ici. Ah ouais. Coupé. Bon, on recommence. Putain, vas-y, va pas me les tuer. J'en ai besoin. Ah bah. On va regarder. Alors, bienvenue, nouvel utilisateur, Vachy. D'accord. Ouais, ben ça c'est vraiment pas une bonne idée. Est-ce que tu vas te tenir tranquille? Tranquille? Non. Tu meurs. C'est pas moi qui vais mourir. Alors, je prends tout. On va réparer notre petite armure pour le moment. Bon, bon, les vêtements. Ça peut toujours être bon. Au niveau de l'arme, on a un fusil à pompe. Enfin, le fusil de combat. Ça peut être intéressant. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre le bâton répulsif. J'espère qu'il n'a pas fait un défilé. Allez, la tuer. Là, tu les rates top et nous, il nous en faut justement. Les dossiers sont morts. C'est qui est plutôt embêtant. Oh, on va pas aller par là. On attend. Encore des tués? Non. Un chasseur de raptors aussi. On va prendre, on les vendra là, les viandes de pied. Ok, alors. Maintenant, on va devoir aller du côté un peu piégé. Ça, j'aime pas trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Mais c'est bien piégé. Bon, par contre, fais un truc. On est béni aussi. Bien aussi.
Oh. Hein? J'entends encore. Alors. Oh, ces saletés de bruit. Tiens, meurs. Dieu, c'était soit lui, soit moi. Je préfère que ce soit lui. Je préfère que ce soit lui que moi. Bon. De ce côté-là, c'est fait. On est tranquille. Mais il y a toujours des mines. Dans les ailes, qu'est-ce qu'on a pour utiliser? À part les sneakpacks. De toute façon, on est déjà empoisonné. Tant qu'à faire. Bon, je pense que ça devrait le faire, on devrait pas mourir avec une mine. Bon, j'ai méfié. Les jours, ils nous remontrent, ils vont pas remettre de mine. C'est que les poules auront des dents. Non, mais c'est vraiment redoutable, hein, les mines. Et par contre, elle peut être dans les airs. Après, il y en a plus, je crois. Si c'était juste pour les rats de top, alors là, vous êtes vraiment des tarés. Je suis obligé de faire ça. Ok. Là, on va dire que ça va, c'est pas encore trop dangereux. Non. J'ai pas trop envie de tenter tout de suite par là. On va récupérer un peu tout ce qu'il y a. Le fusil à pompe, il est où? Il est là. Le fusil à pompe, il est là. Oh putain, moi j'approche d'un mec qui a un fusil à pompe. Enfin, il y a un canon aussi. Ah ouais. Très intelligent. J'aime. Le casque, arme lourde. Bon, je sais pas si c'est considéré comme arme lourde, mais ce sera peut-être mieux que rien. Une grenade. Arme. Bon, un, on va mettre le shotgun pour le moment. Boum! Ah! Putain, on l'a pas vu. Elle l'a pas reçu. Coucou? Coucou? Y'a quelqu'un? Elle est où? J'aime pas ça. Ah, bien sûr, hein, c'est parfois que tu parles. Tiens, meurs! Ah. Ah, c'est un résistant! Nice! On va dormir juste une heure, histoire de... Voilà, ça se régène entièrement. On peut tout prendre. Fusil d'assaut, ça peut être intéressant, encore une fois. Des fléchettes aussi. Vestiaire vide. Nice. Non, mais c'est plutôt cool, hein. Moi, j'aime bien quand ils sont là. J'avais déjà tout piqué. Ça peut être intéressant, peut-être. Je sais pas. On va laisser ça pour la suite. Ils avaient un peu de tout ici.
Non, c'est bon, j'en ai marre de prendre des radiations. Juste les capsules, ça suffira. Hein. On va s'encombrer avec des bêtises. Bon, là, il n'y a plus rien, ça veut dire qu'on va devoir aller au niveau des mines. Mais ça va, on a quand même quelque chose pour pouvoir dormir. C'est plutôt cool. Juste derrière cette porte, ok. Les rades, top. Impulsif. On récupère la chair de rat. Encore. On continue. C'était sur 7? Non, c'était sur 10, non. D'accord. Y'a rien. D'accord. Continuons. Ça j'aime pas trop par contre. Alors on va sauvegarder. Vaut mieux être sûr. Merde. Alors. Vu qu'on peut pas bien les avoir avec cette arme, on va prendre un fusil d'assaut. Ce n'est pas grave. Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Non, arrête de me tirer dessus. Sois sage. D'accord. Non, 4-4-4. Bon. Je ne peux pas, mais là je peux. Allez, prise. Sa tête. Ouh, headshot, motherfucker. Voilà, là ça va te calmer. Pour moi, tu nous embêtes pas plus. Tac. On répare un petit peu nos armes. Ça va, c'est plus cool. Les vêtements. C'est plutôt ça que je vais prendre. Hein. Je pense qu'il risque encore d'avoir des ennemis. Hein. Donc c'était les deux boîtes. Trois tapes. Trois top 10. D'accord. Où suis-je? Si c'est un terminal facile, autant se faire de l'XP. D'accord. On va éviter de bloquer le terminal. D'accord, c'est pas ça. Et hop. Dommage. Ah là j'ai fait le congé un peu vite, je l'avoue.
D'accord. Là, je m'en doutais que ça allait être ça. Donc, mais j'avais un peu peur. Je vous l'accorde, j'avais un petit peu peur quand même. De toute manière, j'avais la clé, mais au moins, on se fait de l'XP. Même si c'est un peu, c'est peut-être pas fou, mais faut pas s'embêter. Une ventouse, enfin, voilà. L'utilité d'une ventouse. Oh, le point assisté, ça c'est bien ça. Ça c'est cool. Des grenades, ça me va. Ok. C'était plutôt sympa, mais je veux savoir où on est là. Bâton impulsif. Vu qu'on l'a, on s'en prive pas. Au moins, il n'a pas rapidement. Deux petits coups dans leur tête. On s'en dirige pas vers la Galaxy New Radio. On va éviter. On va se remettre bien après. On va essayer de voir un petit peu. Des lieux là. Moi je veux savoir ce qu'il y a derrière ce port. Parce que bon. Ça se trouve, on va louper un truc super intéressant. Voilà. Une mine à capsule, une masse. Ça peut toujours être bon. Je sais pas ce qu'on pourrait faire avec ça, mais ferraille, on sait jamais. J'ai dit, je sais plus c'est dans lequel qu'on doit prendre l'un des deux objets. Donc, on prend en phase. Le marteau, ça peut trop nous servir, je pense. La ferraille. Pour le moment, ça va. Pas trop de problèmes. Et on aura visité tout ça. Donc c'est plutôt cool. Je crois que ça va être la ferraille, je m'en doute. Bon, par contre, on est quasiment full slow. On est bientôt plein, quoi. Ce qu'on va essayer de faire, les amis, c'est de retourner vers un lit pour pouvoir dormir. On s'arrêtera ici pour la petite vidéo. Donc là, c'était peu répulsif pour les raptors. Et à mon avis, on a bientôt avancé pour rejoindre Galaxy New Radio. Enfin, j'espère que ça peut nous mener jusque-là. Si ça ne mène pas jusque-là, ça sera un peu décevant. Je crois que c'est juste après. Okay. Oui. Par là, il y en a. Il y a des lits. On va aller au niveau des lits. On va faire un petit roupillon. Hop, continuons. Là on va dormir quand même plus longtemps. Ouais, 3 heures, ça me suffira. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas l'épisode vous aura plu. Donc on essaiera au prochain épisode Galaxy New Radio, si possible, pour essayer de retrouver notre papa. Mais à mon avis, ça va pas être encore très très facile. Mais on va certainement avoir du gravuge dans notre chemin. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Fallout 3. Salut à tous!